Chez nous, les médecins de l'archipel étaient réunis une nouvelle fois pour faire un état des lieux de la profession. Une conférence de presse était organisée au siège du syndicat unifié des médecins de Guadeloupe en présence du président de la Confédération des syndicats médicaux français, le docteur Franck Devulder. Les tarifs des consultations médicales vont augmenter d'1,50€ d'ici le mois d'octobre, mais cela semble insuffisant. Ainsi, la question des moyens et de la rémunération des médecins libéraux en Outre-mer a été également évoqué. Le docteur Franck Devulder au micro de Bruno Pensiovillon. Un peu partout, c'est difficile. Nous avions des propositions et nous avons des propositions pour donner des moyens à la médecine libérale, mieux rémunérer les médecins libéraux pour qu'ils puissent s'organiser et mieux répondre à l'attente de la population, mieux répondre aux besoins de soins de la population. Et pour ça, ils ont besoin de moyens. Concrètement, on défend l'idée d'une hiérarchisation des consultations, c'est-à-dire d'avoir 4 niveaux de consultations différents en fonction de leur complexité, de l'expertise du médecin, mais également de la fréquence à laquelle se déroulent ces consultations, afin de donner, là aussi, et de libérer du temps soignant, parce qu'on sait ô combien ce temps soignant est précieux aujourd'hui.